Aujourd'hui dans un donjon, la Asim Dark Production s'est paumée dans un donjon comme des buffons. C'est parti pour l'épisode 9. Ladies and gentlemen, bien le bonjour, c'est Dark Evan et bienvenue pour la deuxième partie du donjon numéro 4, l'épisode numéro 9, avec en ma compagnie Azen Ching. Salut mes petits polars, tabidupidapida. Et nous revoici repartis. Et oui, parce que je dis toujours la même chose, je sais pas si t'as remarqué, je dis toujours on est reparti, oui. Et il va falloir que je le travaille ça, que je trouve autre chose. Et dis donc, est-ce que je reste en haut, j'attends que t'exploses ou... Tu restes en bas. Je reste en bas. Reste en haut. Ah merde, c'est... F1. Ouais, je vais aller le chauve-souris en bas là. Moi, ça m'a pas l'air très net tout ça. Hein. Et on a. J'ai vu des gouttes de lave qui tombent et c'est pas très rassurant. Les gouttes de lave. Les gouttes de lave. Ouais, moi je sens très très mal là. Hein. Je lag, mon dieu, vivement qu'on sorte de cette jungle. Et on a 1.5 points, on a des soucis avec les serveurs. Le problème, c'est que le pack de textures a pas été mis à jour. Je sais pas si je l'avais dit, mais la 1.6 points ne prend pas le John Smith. Et faut qu'on se trouve un pack de textures. C'est vrai que la 1.6 points maintenant fait gagner de l'FPS. Par contre, là, nous sommes en 1.5 points. Tu vas te marrer. Viens, arrive. J'arrive. Viens. Bon, j'arrive pas comme un bourrin, quoi. Ouais. Non, vas-y, c'est bon, tu peux venir, c'est sécurisé. Aïe. Ici, le bloc qui est là et le bloc derrière. Ça sent le piège qui désactive ou bien active, je sais pas quoi. Ah ouais. Bon, cette fois-ci, je la fais pas bourrin, par contre, je vais juste péter à côté. Ouais, je me suis dit aussi. Et genre, en fait, il a fait exprès, tu sais, et genre, si je pète à côté, en fait, ça va casser le truc. Oh. Ah bon? Eh ben en fait non. Non. Faut faire attention. En dessous tu crois? En dessous, oui, au dessus. Y'a rien, ouais. Attends, je sens ça, y'a un gros piège là, c'est si. Une feinte. Attends. Le bouton A, le bouton B, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu. Oh tiens, je récupère du charbon. Non bah écoute, à moins que ce soit en l'air. Bah là, bon, c'est quoi? Hop là. Qu'est-ce que c'est? Bloc de redstone, c'est joli. Ouais. D'accord. Réactiver. C'est bon. Attends, on va passer à côté quand même parce que c'est quand même bien étrange. Tiens, qu'est-ce donc? Ah mais si je le casse, c'est pareil en fait. Ouais. Si on le casse, ça va l'activer. Donc en fait, on peut pas le prendre. Non. Comment on fait pour désamorcer une bombe, les gars? Allez, regarde-moi ça. Péter la torche de redstone. Non, mais non, c'est pas bon. Ça va activer quoi, à ton avis? Bah, ça va activer la lave, sûr et certain. Quelle lave? Il y a de la lave en haut? Ouais, t'as pas vu des gouttes de lave qui descendent? Ça active de la lave? Ah, ouais. Mais moi je veux le bloc de fer, moi. Tu sais. Attends. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a des blocs pour boucher ça? Ouais, mais non, ça va peut-être nous poser problème après. Attends, j'ai une idée. Attends. T'as une idée? J'ai une idée. Oh mon dieu! La bombe va péter dans 30 secondes! Ah! Je me fous, je me casse! Ah, c'est pas mal, hein. C'est bien qu'il ait travaillé un peu sur la redstone. Je savais pas qu'il avait fait un peu, mais du coup, c'est cool. Il avait pas dit qu'il était mauvais en redstone? Je sais plus. Ah, petit malin, c'est de la bedrock. Donc après, tu peux pas voir où ça va. Mais je sais pas trop, mon pack de texture, le problème c'est qu'il montre pas trop. Parce que là, t'as vraiment. Tu pètes le truc, ça casse tout de suite. Ah, le seul moyen ce serait de remettre de la redstone avec. Non. Regarde, c'est cool. Et si, le bloc de redstone qu'on nous a donné, on le prend, on en fait de la redstone, on casse le bloc de fer, on met de la redstone, ce qui refermera le piston tout de suite après. Te casse pas la tête. Bah moi je veux essayer. Bah vas-y, tu peux essayer, ça tombera pas. Mais t'es chiant, t'es pas drôle. Vas-y, tu peux. D'accord. Ouais. Bon, je vais refermer. Non, vas-y, tu peux. Y a aucun problème. Fuck! Vas-y, tu peux remonter, c'est pas. Attends, j'ai pas de bloc. Comment ça, t'as pas de bloc? Bah non, j'ai pas de bouche. Je vais faire descendre la lave. Attends, j'arrive, je monte. Oh, y'a pas de lave? Ne fais pas ça! Y'a pas de lave qui descend. Pense à nos enfants! Non, j'ai que. La lave qui descend. Non, mais arrête! Tout doucement, tout doucement, bye bye! J'avais essayé en plus. Ouais, là, c'est pas grave. J'ai fait un trou exprès en fait pour pas elle que ça. Elle est jolie cette texture de lave comme ça. Ouais. I love that. You love that? Oh yeah. Oh putain, ça m'a rasé les poils.
espèce de fou. Épilation. La nouvelle épilation dans Minecraft. Vous jouez à Dramo, on a ce qu'il faut. De la lave pour raser les poils. Bon. Au poil. Au poil, voilà. Comme tu dirais. Bon, et du coup, ça servait à rien. Mais au moins, on a gagné un bloc de fer. Je t'annonce quand même. Hein. Eh, d'ailleurs, il est où mon bloc de fer? Je l'ai laissé en bas. Oh, intelligent. Fuck. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. Mec, non, mais t'as laissé un bloc de fer. Mais j'ai déjà 25 lingots de fer, donc ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Mais c'est, t'as perdu 9, quoi. Oui, bon, c'est pas grave. Soit. Oui, mais le problème c'est qu'on se balade toujours avec un inventaire énorme là. Comment est-ce que tu veux là aussi? J'ai même pas de bloc pour grimper, tu vois. J'arrive pas à grimper tellement j'ai pas de place dans mon inventaire. C'est pas avec mes bouquins que je vais réussir à monter quelque chose. Ces coffres là, tu les avais regardés déjà? Ouais, on est passé par ici. Ok, il repassera par là. Il court. La zone ching du bois joli. Oh putain, j'ai failli tomber dans le trou. Oh putain, la vache. Ah oui, on était remonté avec des bûches, c'est vrai. Hop là. Ouais. Du bidu rap, bidu 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 rap. Là où il y a pas de lumière. Je vais utiliser mon putain d'arc de la mort qui tue. Il est pas mal cette. Oh, c'est la salle finale. Ah ouais. OK. Alors là, attends, s'il te plaît, tu vas le faire en synchro avec moi parce que Scroll il a dit je veux que quand vous arrivez dans la salle finale, vous poussiez un. Oh. Alors t'es prêt? 3, 2, 1, on rentre. Et là. Oh mon dieu, ils attaquent. C'est ça qu'ils voulaient. Voilà, c'est comme ça. Respecter les box spawners, je. Aïe. Je prends ces monstres de l'extrême. J'ai un peu de lag malheureusement. J'ai pas une bonne cadence de tir. Attention, il y a un gros méchant pas beau. C'est bon. Bon, ok, à l'assaut. N'empêche que j'aime bien les grandes salles comme ça. À nous la récompense, à nous le trésor. Oh, mon dieu. D'accord. Il va pas trop vite. C'est plein d'entrain, et puis finalement, fais gaffe, il y a des archers à l'autre bout. Ouais, et je me demande, c'est quoi le mob spawner? C'est trop bizarre. C'est un mob spawner à cochon. Ah, ok. Oui, tout à fait. Ladies and gentlemen, je vous le dis en direct. C'est un mob spawner à cochon. Ah, bah, on s'en fout alors. Oh non! Squelette. Ouais, par contre, on s'en fout pas. La la la. Ta 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 pa 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 la pa 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 la 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 pa 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 la pa pa. Oh putain, je vois des zombies voler. Zombies volent, pigeons volent. Ça me fait penser toujours à ce vieux jeu que je faisais avec mon père. C'est genre, faut lever la main. Tu connais ce jeu là? Moi, je faisais ça quand j'étais gamin. Soulever la main? Ouais, non, mais ça, c'est pas un truc de chinois, ça. Ah bon. Ah, laisse tomber, c'est pas grave. Tiens, je t'envoie les comètes. Miaou. T'as vu la comète? Waouh, ça éclaire un peu. Attends, j'arrive. Aïe. Oh my god, y'a fucking zombie. Oh, y'a un peu plus de mob spawner. Eh, hey, y'a du magma. Du magma qui Hop. Bouge. Magma qui bouge, la mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un dialecte minecraftien que je viens d'inventer là sur l'instant, je trouvais que ça sonnait bien. Allez! I'm gonna defeat you, motherfucker! Hey! Hop là! Ok, on fait moi les malins, bande de trous de balles! Pardon. Et venez du fond du cœur! Oui, du cœur! Fond alors, du cul! Je le savais! Je le savais! Hop! Ma pioche, t'as une pioche, c'est bon? Yeah! Et à nous. Attention, regarde la tirette! Oh putain! Dernier moment. Oh putain, j'avançais là comme un fou. Non, on va sûrement activer quelque chose. Je l'ai cassé, est-ce que ça va activer quelque chose? Non, je crois pas. Fais gaffe. Ça pique. Je tape. Attends. What the fuck? Je sais pas. Ça sent les pièges. Oh regarde, y a un truc en dessous de ce coffre. T'as vu? Je vais aller sur le bord. Qu'y a-t-il en dessous de ce coffre? Waouh! Tadam. On a une selle antique avec un power 1 et deux selles, mon pote. Oh, bleu de roi. T'as vu le casque? Joli, hein? Oui. On a une houe en or aussi. En diams, pardon. Ça peut servir d'arme, ça? Ça peut être potentiellement une arme? Firework Star. Et on a un truc pour faire des feux d'artifice. Et où? Ah oui, là. Il faut des colorants avec et de la poudre à canon. J'ai de la poudre à canon, t'as des colorants?
je fais un feu d'artifice là, tout de suite, comme ça en direct live là. Alors je prends le métal, le sharpness 1, j'ai des flèches. J'ai la go, j'ai la stone. Enderbull. Tu prends le casque ou je prends le casque? Moi j'ai en fer, personnellement, toi t'es en cuir. Ah oui, la couleur, la piste lazuli qui est juste oui, à côté. C'est la piste, tu l'as. La piste. La piste très enlée. Le bloc d'or, lingot d'or. Bah, du coup, le bloc d'or, on va le transformer en lingot d'or, comme ça on va tous les mettre ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, tous ensemble, wow! J'ai quand même blindé de stuff là. Le looting 4, moi je la prends, tu veux pas la déposer quand même, t'es fou toi? Ah, t'es fou! Ah non, 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 c'est pour prendre la potion d'XP. Ah, mais elle file de moi. Tiens. Une gold egg pickaxe, je suis pas sûr. Voilà, la roue en diams, par contre, je la prends. Un plastron en or. T'aurais pas besoin de quelque chose, toi? Non. Ouais, bon, bah voilà. J'ai mes flèches might 1 ou soit flèches sharpness, je sais plus, là je suis en grand dilemme. Fuck! J'abandonne mes smite 1. Tiens, je prends le métal parce que moi j'en ai plein. De l'or. Mais l'or, je sais même pas ce qu'on va en faire, quoi. Je suis là, je me balade avec plein de trucs, je sais même pas à quoi ça va me servir, quoi. Ouais. Et nous avons réussi à accomplir le donjon number 4. Ça veut dire qu'il nous reste plus que 5 donjons, encore 5 donjons quand même. 5 donjons à trouver. Et il nous reste notamment 2 maisons de PNJ. En fait, je vais aller me renseigner. Il m'a dit c'est 4 maisons de PNJ. 4. Ah. Donc il en reste 2. Trouver l'Ender. Sauver la princesse. Et rentrer chez nous. Une princesse ? Ah, pas de princesse. Par contre, je viens de noter qu'il y a de l'émeraude en dessous là-bas. Et j'ai pas compris à quoi ça devait servir le piège. Bah, rien que pour le piège. Mais regarde, il y a du diams. T'es mort. Où ça? Regarde, viens voir, viens voir. Il y a du minerai de diams ici et du minerai d'émeraude. T'es où? Bah, je suis redescendu moi. Enfin, voilà quoi. J'ai. Tu sais, on a complété le jeu, c'est fini, voilà quoi. La princesse est dans un autre château, on change de truc, tu vois. C'est un peu le. Ouais, c'est ouais, l'histoire de la vie. T'as des ficelles là? Attends, je vais activer là quand même le piège. Ça c'était quoi? C'était un bloc de quartz en dessous? Ah, c'était pas un piège en fait, d'accord. Hein? Je vérifiais juste que ce n'était point un piège. Je regarde aussi qu'il n'y ait pas de coffre planqué encore n'importe où. Je comprends pas, il y a un piège ou pas? Piège ou pas piège? Non mais je l'ai désactivé le piège. Oui, non, je l'ai activé là. Ah bon? Eh ben tu verras ça en retour. Mais t'es fou toi? Y'a rien. Bah, je sais pas. Tu vois, c'est au retour. Et en fait, ça se trouve, il nous met des coups de presse. C'est genre, ah bah si, là, il y a un truc. Non, il y a. Bah non, il y a rien. C'est pas... ça se trouve, tu sais, il s'est dit, tiens, ils sont tellement parano, les mecs, que maintenant, je mets des pièges sans être des pièges. Ils doivent être détirés de partout. Genre, t'es là, il y a un seul truc qui est juste, qui est un piège, et puis le reste, en fait, voilà. Alors, parce que tu vois, là, ici, là, t'as l'émeraude, et là-bas, t'as du diams. Regarde. Bah là tu regardes ouais. Sur le côté t'as deux d'émeraudes et là-bas t'as du diams. Je crois que le plus important serait de prendre du diams quand même, non? Ouais. On a déjà deux minerais de diams, hein, c'est ça? Ouais. Tu les as encore? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on y va pas? On prend le risque. Ok. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-da-da-da-da-da. Alors là j'arrive à un point culminant où il va me falloir des blocs pour remonter. C'est un gros dilemme. J'abandonne le papier. Wow. Oui, le papier. J'ai pas assez de... Oh ouais, non. Ah bah bye bye, au revoir. Non. Tu vas mourir. Non. Bah si, tu vas mourir. Non. Tu vas perdre toutes tes résiste, affaires. Résiste. Vas-y, mets des blocs tout autour pour pas perdre des affaires si jamais. Résiste. J'ai pas de blocs. Non. Attends, oh non, on perd pas des affaires, on perd pas nos affaires, non? Si. Si, t'as perdu tes affaires? Ouais. Ah merde! T'as vu quoi? Eh ben, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'ai glissé! Voilà, fallait prendre le risque. J'ai pris le risque. Je suis mort. Oh fuck! Oh. Ah ouais, putain, elle m'a bien fait mal celle-là. Mais oui! L'appât du gain, tu vois, l'appât du gain. Et je me retrouve dans la jungle! Je suis perdu au milieu d'une tour en haut d'un arbre! C'est pas grave. Ah putain! Oh grâce, oh désespoir, j'ai qu'une flèche et un cure-dent pour me battre, t'imagines? Perdu dans la pampa. Moi je suis pas encore mort. Oui, moi bah, je te laisse sortir du donjon. De toute manière, ça tombe bien qu'on ait fini ce donjon. Je viens de perdre tout ce qu'on avait avec. Ouais, ah oui, tu vas me dire quelque chose que t'as perdu énorme.
Bah non, mais par contre, ce qui est bien, c'est que t'es gardé les trucs de diams, du coup, je me ferai une épée en diams avec. Ouf, 3 diams. Je l'ai. Ah, mais... t'as pas tout perdu. Allez, je vais essayer de récupérer. Ah ouais? Ouais. Mais de toute façon, j'ai un inventaire plein, alors je me dis que au moins, grâce à ça, bah. Je vais faire un peu à neuf. Et tout ce que je trouve, du coup, je vais pouvoir le prendre. Surtout parce que, quand même, il y a beaucoup de choses que je trouvais insignifiantes. Oh. T'as une pomme d'or sur toi. Le casque, il est toujours là. Ouais, voilà. Bien. Il reste un arbre. T'as une pioche. J'ai une pioche. En train de me faire un équipement en bois, là, je suis allé dans la jungle. Eh oui, j'ai glissé cette maudite touche chiffre parce qu'il fait chaud chez moi et mon doigt a glissé. J'ai glissé, chef. Je suis dégoûté. Enfin bon, bref, c'est comme d'habitude, hein. En même temps, vous allez dire « Ouais, Dark Even, de toute façon, s'il tombe pas dans un épisode, c'est pas un épisode de Dark Even, hein. » Fuck. En plus, je suis dégoûté à mort, là, tu vois, je suis complètement les poules, quoi. Mais c'est pas grave, on a quand même accompli l'objectif. J'emmerde le donjon, voilà. Voilà, moi, je lui ai dit mes quatre vérités, là. Ah, moi, je suis un fou, là, moi, je suis un fou. Crie mon nom, allez. Je pique ton piège en fer et je le rassemble en deux. Hein? Ouais. Hein? Oh, j'en viens en fer, si t'as pas besoin, je le prends aussi. Moi j'ai besoin de tout là. Là je me suis fait une table de craft en haut des arbres. Tu vois, j'ai pris un arbre, j'ai posé ma table et j'ai fait une épée en bois. Youhou. Champion de la pêche. Hop là. Et voilà. Le sel on a pas besoin, le sel on s'en fout. Le sol. Alors moi je me disais juste ce biome interminable de la jungle. Maintenant qu'on a fait deux donjons déjà, c'était pas mal. Ouais. Par où est-ce qu'on va aller? Parce que pour moi j'ai l'impression qu'on avait fini la map quoi, tu vois. Mais non. C'est juste parce que je suis un peu étroit d'esprit, ça se voit déjà dans mon orientation. La 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 la. Mais je joue le jeu, je respecte, hein. Raise Minimap, on l'utilise pas parce que c'était le but du créateur quand même, c'était justement de se perdre. Je me suis transformé en Dark de la jungle. Dark de la jungle. J'ai pris une liane. Merde, le sol, putain, ça pique. Fuck. C'est pas une liane, c'est un cactus que t'es en train de prendre. Mon dieu, c'est quoi ça? C'est une vache. Donne-moi de la bouffe. Ça tombe bien, toi. Toi, tu tombes bien. Hop là, j'ai du gigot. Je vais pouvoir préparer le dîner du soir, mon petit. Allez. Alléluia. Alors, t'es où? Je suis toujours dans le donjon. T'es loin du donjon. T'es coordonné, tiens. Si ça sert à rien, je te donne avec mes coordonnées vu que je suis dans le sous-sol. Bah oui, mais même ça me donnera la direction où il faut que j'aille. Ah oui. Ah oui. Alors, X moins 480. Oh. Ah ouais, je suis en moins 70 quoi. Essaye d'atteindre déjà ça. Et le Z? Et le Z 571. Oh. Plus ou moins. D'accord. Ouais, bah je me dirige dans ta direction, c'est déjà pas mal. Je vais essayer de te rejoindre. Mais à mon avis, je pense que l'épisode sera terminé avant que j'arrive, hein. Ouais, tout à fait. Donc, occupe, essaye de trouver des trucs, donc voilà. Occupe-les, jongle avec tes trucs, je sais pas, montre-leur ta technique du chinois à une baguette, par exemple. Ça, tu leur as pas montré ça, la technique de celui qui mange à une baguette. Très facile, mon cher. Tiens, question, tu manges avec des baguettes, toi? Ouais. C'est naturel, genre tu utilises des fourchettes, des couteaux, ou c'est, ça t'est complètement étranger? Je fais l'interview, genre. Non, j'utilise les deux. Je m'adapte à tout. D'accord. Ah, c'est vraiment un couteau suisse. Non, mais un couteau belge plutôt. Un couteau chinois, je sais pas. Enfin voilà. Tout adaptable, c'est le poketching. Tu vas rire, je me suis perdu. Dans le labyrinthe? T'arrives plus à sortir? Ouais, attends. La meilleure technique, tu fais un trou, tu montes vers le haut. Non. Non. Soyons respectueux de ce beau structure que Scott nous a fait. Et nous avait mourir. Cette souffrance. Ouais, enfin, c'était vraiment pas de sa faute là. On l'avait bien fait en plus le donjon, on l'a bien accompli. Et puis, bah, je sais pas, enfin. Je suis dégoûté, fais chier. Je vous jure que c'est pas fait exprès quoi. Enfin, ça me fait pas plaisir de perdre mon stuff à chaque fois. Dans chaque émission, peu importe laquelle je fais, je perds du stuff. Ah oui, attends. Et si un mec fait des statistiques sur moi, à mon avis... Ça explose, quoi. Ça explose. Ah ouais, non, mais c'est fou. Ah oui, si je suis... Là, j'ai réussi encore ici. À casser mon épée en place. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Attends. Je suis en moins 340. Tu avais dit Z combien? Z 572, que j'y suis.
T'es en pleine pampa là, y a pas de temple. C'est normal, je suis sous le sous-sol là, et le sous-sol, bah, on voit pas. Sous le sous-sol. Je suis tout seul dans les lianes. Oh. Je ne retrouve pas mon chemin. La lave a disparu. La dame a disparu. Quelle dame a disparu? La lave a disparu. C'est la lave, le premier. Oui. La première lave, bah, c'est assez refermé, mais je sais pas pourquoi. C'est comment? Peut-être à cause de la tirette qu'on a eue au premier, non à la fin, qui a activé un grand système de redstone immense. Ah. Ouais. Remarque, c'est plausible comme hypothèse, hein, c'est plausible. Mais je ne saurais te dire. Voilà, je suis en moins 400, par contre je suis en 700... Pas quoi? Je suis en 700 Z. Z595. Putain, j'ai 200 blocs à parcourir. Mais je vais réussir. Je vais y arriver. Heureusement que j'ai les coordonnées. Hein. Alors, en même temps, c'est vraiment... C'est feuillu, couillu hein. Alors... Hop, 700, putain, puis alors là, tu progresses pas en ligne droite, quoi, donc les 200 blocs, ça fait long, quoi, tu vois, c'est... Heureusement, j'ai le temps de parler, de dire des conneries. Hop là. Oh, coffre qu'on avait raté au début. Eh bien, récupère du stuff, prends tout ce qui est possible de prendre, parce que vu que moi, j'ai plus rien, ça me sera fortement utile. Ah merde, Silverfish. Non. Ah, je le déteste. Ah, ça va, y'a aucune seule. Il me reste 100 blocs à parcourir, je suis presque à portée, je n'ai plus rien à manger. À mon avis... Prochain épisode, ça va être encore la session minage et préparation, hein. Ouais. Oh merde, t'as perdu les lingots de fer. Oh. Eh ben, il reste un bloc de fer, si tu veux, qui traîne au fond du donjon. J'ai pas envie d'y retourner. Non, merci. Tu vois, j'ai bien fait de le laisser là-bas, tu vois, j'avais prévu de mourir déjà, tu vois. Oui, surtout que je vais pas le chercher. Le mec essaie de se rattraper, tu sais. Alors, 624... J'attends au temple. Vas-y, hein, comment je suis pas. Enfin, ah, ça y est, j'ai trouvé le temple, je suis à l'entrée. Je suis devant l'arche. L'arche de Noé. Voilà, en direct live. Dark s'est retrouvé enfin, même avec les coordonnées. Ouais, bravo, on applaudit bien fort cette pitoyable performance. Je pose une table de craft ici, je fais un bol, je fais de la soupe parce que j'ai faim. Hop. Attends, j'ai des steaks. Et justement, comment on se retrouve, on va terminer cet épisode. Voilà, bon, on a pu au moins vous faire profiter de ce donjon. Et j'ai hâte de voir les autres, je veux en voir d'autres, moi je veux plein d'autres donjons. Salut copain. Oui, si, je te laisse des steaks. Tu as poil copain. Tiens, aussi. Ouais. Change de coup. Et y a rien d'autre? Non. T'as pas d'armes? Si, une épée butin. Ouais. À moins que ça, si tu veux. Bah, les deux au pire. Et j'ai. Oh, une hache de fer. Ouais, bah, j'ai bien fait de la prendre celle-là, putain. Et j'ai pas d'arc. Oh, quoique, je peux faire d'arc. Bon, on va terminer avec cette arc. J'ai des flèches. Eh bien, voilà, ladies and gentlemen, c'est la fin du 9e épisode de Dramo. Comme toujours, vous êtes nombreux, on vous aime, on vous adore. Laissez un petit pouce vert, un petit commentaire pour nous aider. Hein, comme d'habitude, on adore ça. On kiffe les petits pouces vers les commentaires, on est friands de ça. Notre page Facebook, n'hésitez pas à passer, laissez un petit j'aime pour nous suivre via Facebook. Voilà, et puis vous pouvez nous contacter toujours sur notre Skype. Et on se dit à the prochaine pour un épisode très bilan de Dramo sur de nouvelles terres inconnues et inexplorées en compagnie toujours de Azenching. Oh yeah. Ciao. Tchuss.